Bonjour à tous, ici l'Incognito. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un vaporisateur portable, le Floormate V5. Donc, c'est un vaporisateur portable créé en Chine par le groupe Smith. Donc, c'est un produit donc, de normes européennes et d'une qualité raisonnable. Donc, il existe différentes couleurs, en noir, en bleu. Donc, celle-ci, c'est la dernière version. Je vais vous parler dans cette vidéo de la version précédente ainsi que de celle-ci, de la présentation donc du pack avec le prix et des avantages, des inconvénients que ce vaporisateur peut avoir. Donc pour commencer, ce pack est composé donc du vaporisateur, d'une petite brosse, d'un petit crochet, de trois petites grilles, de la notice, d'un chargeur prise européenne et d'un embout buccal. Donc le prix de ce vaporisateur donc, peut varier, mais ça reste généralement autour des 130 euros. C'est un coût, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi après dans la suite de la vidéo. Donc ce vaporisateur, donc cette dernière génération, a une particularité en fait, c'est que dans l'ancienne version, il n'y avait qu'une température de chauffe. Maintenant, il y en a trois. Donc pour commencer, pour l'allumer, vous appuyez 5 fois sur le petit bouton. Une lumière bleue va clignoter. Et donc, le vaporisateur va se mettre en route, va fonctionner et va commencer à chauffer. Donc, il y a 3 températures de chauffe sur celui-ci. Donc, la couleur bleue correspond à 196 degrés. La couleur violette à 204 degrés. Et la couleur rouge à 213 degrés. Donc, pour changer donc les températures, en fait, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton. Donc vous appuyez. Hop. Donc ensuite, le petit LED va clignoter et ça veut dire en fait que la température donc du coup est en train de monter. Et dès que la température va se stabiliser, et ben c'est que vous pourrez aspirer donc vous pourrez vapoter. Donc la température violette, donc 204 degrés. Et la température rouge 213. Voilà. Donc pour l'éteindre après, ou pour mettre au début, donc vous rappuyez, ça va revenir au bleu. Et pour l'éteindre, vous réappuyez 5 fois dessus. Donc ce vaporisateur fonctionne environ durant 2 heures de temps. Donc vous pourrez en faire entre 8 et 10 sessions de vaporisation. Il y a une particularité, c'est qu'il s'éteint, enfin, il se met en veille au bout de 5 minutes. Et donc, vous devrez après, donc, il me semble, c'est changer la température de nouveau afin qu'il puisse recontinuer à chauffer. Pour le fonctionnement, c'est très simple. Donc, ici, vous voyez, il y a donc un petit tube donc, en céramique. Donc c'est à cet endroit-là que vos plantes vont chauffer. Donc vous devez donc remplir le petit tube donc, de vos plantes, ne pas dépasser la limite donc, de la céramique. Donc vous remplissez jusqu'à là. Ensuite vous mettez la petite, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, ni c'est fait en quoi, ça doit être de l'acier. Donc une fois que vous avez mis vos plantes à l'intérieur, vous mettez le petit tube donc par-dessus. Histoire que ça va tasser un peu, voilà. Et vous vissez ensuite donc l'embout buccal sur le tout. Voilà. Donc une fois que le LED ne clignote plus, vous pouvez commencer vos sessions de vaporisation. Donc l'avantage de ce vaporisateur, donc c'est qu'il est relativement pratique, discret. Donc il fait la taille d'un portable. Donc pour vous montrer un peu, donc voilà. Donc il est discret, il est assez léger. Il y a aussi une particularité, en fait, vous pouvez les ranger, donc vous pouvez vraiment l'emmener partout. Donc une très grosse autonomie. Il dégage donc une vapeur super douce. Donc ceux qui ont la gorge fragile et qui n'aiment pas forcément les gros hits, notamment sur le vaporisateur donc Magic Fly Lunchbox, donc ça pique un peu la gorge et tout, sur ce vaporisateur là, il n'y a pas ça. Donc la vapeur est relativement douce et le goût est génial. Donc pour commencer, si vous l'achetez neuf,
Moi, je vous conseille donc de faire un petit rodage et de le faire chauffer donc à la température maximale pendant environ 5 minutes, pendant le temps d'une session, histoire donc qu'il s'habitue et que des éventuels goûts désagréables disparaissent. Donc pour parler des défauts, il n'y en a pas vraiment, à part que vous ne pourrez pas vaporiser de résine ou d'extrait avec ce vaporisateur-là. Donc ça sera que des plantes. Et peut-être aussi, mais ça c'est un avis personnel, moi j'aurais préféré peut-être que les écarts de température soient plus élevés. Donc pourquoi pas qu'il aille jusqu'à 230, 240 degrés, mais après ça c'est peut-être des problèmes, des restrictions donc, électroniques, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc voilà. J'espère donc que cette présentation vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.